Ok, qui est le plus chiant entre vous deux là? C'est elle. Le plus chiant. La vérité, t'es tout le temps en train de mettre des claques. Ouais, tu viens de faire quoi là? Non mais je... Attends, coupe pas. Regarde, c'est pas chiant ça? Non, mais est-ce qu'il part à Nice? Est-ce que ça va te faire des vacances? À part que 3 jours, c'est pas un séjour. Est-ce que t'aurais préféré qu'elle parte plus longtemps? Je sais pas. Ah, la matin, elle a dit je sais pas. Qui parle le moins bien anglais? Non, c'est elle, franchement. Ouais, qui sait bien parler anglais? La dernière fois, on est parti à Londres. Qui a un meilleur accent en anglais? C'est moi. La dernière fois, on est parti à Londres. On était perdus, c'est grâce à moi qu'on s'est retrouvés. Oh, faut... Il nous a perdus dans Londres. Mais n'importe quoi, tu sais même pas lire un plan, Junior. Wow, tu sais pas lire un plan. J'ai demandé de l'aide à des gens juste pour me parler. T'aurais été seul à Londres, tu t'aurais retrouvé à. Qui est la plus conne de vous deux? Pourquoi c'est elle dans un. Attends, d'abord la réponse de Laura. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Lee. Voilà. Et toi, Lee, pourquoi elle est conne? Non, elle vraiment. Parce que. Parce qu'elle est conne. Ok, le plus intelligent là. C'est moi. Et est-ce que si tu retrouves un ordi cassé, tu peux le réparer? Ouais, sans pression. Franchement. Bien sûr, d'accord, arrête de mentir. C'est pour ça que quand ton téléphone. Quand ton ordi a été cassé, t'as dû l'amener chez Mac? Chez Mac? Hein? Chez Mac ou chez Apple? Ah bon. Mac, c'est une marque de rouge à lèvres, Laura. C'est la même chose. Okay. C'est la même chose. Ok, Laura, qu'est-ce que tu penses des vannes de Lee? C'est qui Lee? mais elle en fait plus, mais ses produits, ils étaient bien et genre. J'avais une question à poser à Lee. Mais elle fait plus de vine, okay. C'est dommage, on a perdu Lee. Est-ce que Laura va te manquer pendant son petit séjour à Nice là? Oui, beaucoup. Je t'ai vu, hein. Alors là, je t'ai vu faire oui, beaucoup. Espèce de hypocrite. Non, elle va pas manquer du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Quoi, je dis pas ça, du j'aime tout. Les gens honnêtes. C'est genre, mais pas du tout. Il va m'envoyer des textos tous les jours. J'espère qu'elle va louper son train du retour et qu'elle pourra plus venir. Attention, ne Laquelle de vous deux a le plus de flow? C'est moi. Sérieusement, c'est moi. Je suis désolée. Hein. Je alors, te respecte, lit c'est tout, mais quand t'es un lit en bois, quelle est ta note pour définir ton... Vas-y, revois ta question. Ton... Non, laquelle de vous deux est la plus marrante? Ça dépend sur quel sujet. Dans la vie de tous les jours. On n'est pas tous les jours ensemble, donc... Eh, vous êtes chiante. Laquelle de vous deux est la plus marrante, là? Répondez, Taras. Quelle serait ta note sur 20 pour dire à quel point t'aimes Laura? 22. C'est incroyable. Laura, pour Junior? Disons que t'as la moyenne, c'est... Bruh. Que pensez-vous des rageux qui parlent sur vos publications? J'ai entendu, je suis pas sourd. Ah ouais, les rageux qui racontent de la merde sur toi. Qu'est-ce que j'en pense? Des rageux, il y en a partout, quel que soit ce que tu fais dans la vie. La jalousie, c'est pour les faibles. La jalousie, c'est pour les faibles. Voilà, merci, c'est exactement ce que j'en pense. Là, Laura se barre à Nice. Ça va nous faire des vacances. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 100 000 abonnés? C'est vraiment impressionnant. Tous les jours, je me réveille et je pense à mes 100 000 abonnés. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 300 000 abonnés? Je vais faire une sextape avec Laura. Ça veut dire qu'il n'aura jamais 300 000 abonnés. Qu'est-ce que ça fait d'avoir... Tu sais, quand il met des chaussettes chez moi, il a des grands pieds, hein. Des grosses chaussettes. Qu'est-ce que ça fait de prendre une claque pour du marché? Ça fait rien! Il est où ton train? Je sais pas justement. Que tu te casses d'ici là, vas-y, il est où ton train là? La voix, elle n'est pas écrite sur le billet de train. Combien de fois je vais te répéter les choses? Est-ce que c'est comme ça que je t'ai éduqué? Un parapluie à l'intérieur. Bravo, félicitations. C'est couvert, hein, juste par information. C'est couvert. N'importe là, tu vas mettre combien de temps arriver à Nice hein? 5h30, je crois. J'arrive à minuit. On s'appelle. À 18h20, j'arrive. Ça arrive. 18h20. Je mets 6h, enfin 5h30.
D'où je pense qu'elle se barre, c'est un truc. Je sais que tu vas faire une connerie. Pourquoi tu m'envoies pas? Parce que tu es en train de manquer. Non, on n'a pas fait. T'es discret, hein, mais vraiment. J'ai dit quoi? T'es juste pas discret. Mais j'ai dit quoi? Tu vois, tu sais pas. Enfin, tu sais que moi. Non, non, je veux pas de câlin. Je veux pas tactile. J'aime. 18h06. Laura va bientôt partir. Venez, on avance. D'ailleurs, la ville dans laquelle je vis s'appelle Vence.